Maintenant que la centrale Z21 est déverrouillée, on va pouvoir utiliser l'application Z21 sur smartphone et tablette et faire fonctionner nos trains directement depuis l'application. Quand on commande le routeur et le code pour désactiver la Z21 et l'utiliser sur un smartphone, une tablette ou même un ordinateur, voilà, on reçoit cette boîte. Donc quand on ouvre la boîte, on a l'alimentation, le routeur, le câble réseau qui va permettre de relier le routeur TP-Link avec la Z21 Start. Et on a une petite notice avec notamment un code qui va être fourni pour pouvoir débloquer la centrale. Pour déverrouiller la Z21, il va falloir dans un premier temps télécharger l'application Z21 Maintenance Tool que l'on retrouve sur le site dédié à la Z21 de Rocco. Et au niveau du câblage, alors moi je conseille d'utiliser deux câbles réseau plutôt que de passer par le Wi-Fi et donc d'avoir un second câble réseau qui va partir de l'ordinateur et qui va être relié à l'une des quatre prises jaunes que l'on voit sur le routeur. Et également la Z21 qui va être branchée à l'une de ces quatre prises jaunes. Comme il va falloir un deuxième câble, en plus de celui qui est fourni dans la boîte du routeur, je recommande des petits câbles de 50 cm pour faire la liaison entre le routeur et la centrale Z21. On va brancher tout ça maintenant. Donc on va prendre notre câble de 50 cm, on va venir le raccorder à la sortie LAN de la centrale. Et on va le raccorder à l'une des quatre prises jaunes du routeur, donc on va prendre la une hein, tout simplement. Et pour la liaison à l'ordinateur, comme je le disais tout à l'heure, je recommande plutôt d'utiliser lors des phases de configuration du filaire. Donc on va venir brancher le second câble réseau sur la deuxième prise du routeur et on viendra connecter l'extrémité à l'ordinateur. Voilà, on se retrouve maintenant devant l'ordinateur où l'application Z21 Maintenance Tool téléchargée plus tôt a été décompressée sur le bureau. Double-cliquez sur l'icône pour exécuter l'application. Il se peut qu'une alerte de sécurité Windows bloque l'exécution. Il faudra donc cliquer sur Informations complémentaires, puis sur le bouton Exécuter quand même. Une seconde alerte liée au réseau cette fois peut apparaître. Dans ce cas, cliquez sur Autoriser l'accès sur le pare-feu. Une fois l'application lancée, on va pouvoir faire la connexion avec la centrale en laissant l'adresse IP par défaut définie en usine et en cliquant sur le bouton Connect. Si tous les branchements sont corrects, la centrale devrait être reconnue et afficher des informations telles que le numéro de série, la version logicielle ou firmware, et des valeurs comme la tension de la voie, le courant consommé, etc. Notez le numéro de série, puis se connecter au site Rocco. Tapez simplement la référence du produit 10814 dans le champ de recherche pour trouver la page. Sur la page, cherchez ensuite le lien « Accéder » ici au code d'accès Z21. La page présente alors un formulaire avec 5 champs de saisie. Les 4 premiers correspondent au code qui est indiqué sur la notice fournie dans la boîte, et le dernier champ correspond au numéro de série de la Z21 relevé quelques instants plus tôt. Cliquez sur Request Code pour obtenir le code de déverrouillage en retour. Retournez maintenant sur l'application Z21 Maintenance Tool, muni de ce code, et cliquez alors sur le bouton Unlock, puis tapez le code obtenu dans le champ Unlock Code. La centrale désormais débloquée peut être reliée avec l'ordinateur, une tablette ou des smartphones. C'est également le moment de profiter du branchement pour vérifier la version logicielle de la centrale, ici en version 1.28. On va donc pouvoir faire la mise à jour vers la dernière version, la V1.40, et pour cela, cliquez sur l'onglet Firmware Update, puis sur le bouton Update. La procédure de mise à jour ne prend pas plus d'une minute. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce tuto. Si vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout.